Bonjour, j'espère que tu vas bien parce que je veux te poser aujourd'hui une question qui est primordiale pour beaucoup de femmes avec qui je parle et c'est la question quand est-ce que c'est le bon moment pour me lancer? Donc quand tu as un hobby, une passion, quelque chose que tu adores faire et que tu fais probablement déjà vraiment bien, où tu as les retours des gens, que ce soit des amis avec qui tu aies travaillé ou que ce soit déjà des clients peut-être qui payent encore rien ou très très peu ou qui sont totalement irréguliers, eh ben tu as des retours tellement positifs. Et là tu te dis, tiens, mais quand même, je fais ça vraiment bien, je pourrais peut-être faire quelque chose. Et puis tu as ton côté travail, là où tu gagnes ta vie, là où tu gagnes de l'argent pour vivre plutôt, on va le dire comme ça, la vie tu l'as déjà gagnée, mais un travail alimentaire dans lequel tu ne te sens plus à la bonne place. Tu as l'impression que tu peux faire plus, tu peux faire vraiment mieux, et puis tu as quelque chose qui te retient. Tu as cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas avoir la sécurité, évidemment. Et tu es donc employé, mais avec une passion, un hobby, tu formes et tu sens cet appel. Comment j'appelle l'appel du féminin sacré? Parce que c'est toujours un appel de l'intérieur, une aspiration, quelque chose, une vision peut-être. Peut-être qu'il n'est pas clair. Tu vois, cette vision et cet appel peut être embrouillé par un tas de choses qui ne sont pas à toi, mais qui ont été mis là. C'est pas ton énergie au départ, mais ça a été mis là, ça a pollué un peu ton énergie. Maintenant, tu es là et tu te dis, ah ben voilà, j'ai envie de me lancer, je veux faire de ça ma vie, je veux vivre de cela. Et là, tu vas rentrer, vas sortir dans une sorte de zone de confort et de sécurité imaginaire, parce que tu peux être viré, évidemment. Tu peux tomber malade et tout ce que tu veux. Donc, cette sécurité est toujours imaginaire, mais ton inconscient se dit, OK, c'est tout va bien, bouge plus. Et la vie ne fonctionne pas comme ça. Et donc là, tu vas te dire, bon, je vais me trouver en indépendant. Ouais, solopreneur. Je vais vivre de ce que j'adore faire. Et là, tu as des tas de peurs, tu as cette zone d'inconfort à traverser, des tas de peurs qui apparaissent. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tu as certainement vu que je donne des cours de danse, mais des cours où je travaille sur le féminin sacré et cette identité intrinsèque de chaque femme de briller, d'être dans sa puissance. Et c'est magnifique et c'est magique ce qui se passe quand tu travailles de cette manière sur ton identité, sur ton identité de femme, telle que tu ne l'as jamais réalisée. En fait, ce que je fais, moi, c'est que les personnes retombent amoureuses de qui elles sont en réalité. La femme magnifique, extraordinaire qu'elles sont, avec ce corps délicieux et avec cette vie de l'intérieur à l'extérieur qui est juste pleine de joie. Et donc ça, évidemment, c'est un travail à la base qui se fait en parallèle ou avant, n'importe. Peu importe, mais ce travail doit toujours avoir eu lieu. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que quand je travaille avec les femmes sur ce fait de grandir de l'intérieur, de devenir de plus en plus épanouie, de plus en plus authentique, de plus en plus soi-même, ces femmes, elles ont déjà comme ça une passion, elles sont passionnées dès le départ, elles ont appris plein de choses. Ces femmes-là prennent comme ça une décision de faire quelque chose avec leur don, de prendre le don et de l'offrir au monde, de l'offrir à leurs clients qui n'ont peut-être pas encore. Et donc, naturellement, j'ai été amenée, parce que c'était aussi mon chemin, de aider mes clients de faire le prochain pas et de se lancer. Et moi, j'ai ma business coach Sigrun, certainement entendu parler d'elle. Elle a offert un programme, le Turnaround, Online Turnaround. Les portes se sont fermées hier soir. Il y a plein de gens qui ont pris cette occasion. Il faut parler anglais, évidemment, aussi pour ça. Et sont dans ce programme. Et maintenant, quoi? Et donc, les femmes qui sont dans mon groupe Porteuse de Lumière, quel magnifique mot déjà, tu vois. Si toi tu as une passion, si tu n'es pas dans ce groupe, j'ai mis le lien ici. Tu tombes sur une page qui, bon, ben, je sais qu'elle n'est pas encore parfaite, cette page. On s'en fout. Tu cliques sur cette page et tu peux rentrer dans le groupe. Ben, ce qui va se passer dans le groupe, ce que j'ai décidé ce matin, en parlant avec quelqu'un en réalité, de redonner ce cours en groupe que j'ai créé l'année dernière suite à cette demande justement des personnes avec qui j'avais travaillé sur la magie d'être une femme,
Et ce cours s'appelle « Yes, je me lance ».« Yes, je me lance ». C'est vraiment ça le mot qui appartient à ce cours et qui appartient à ce groupe de femmes qui vont faire ce cours. Donc, première chose à faire, clique dans ce lien, viens dans le groupe porteuse de lumière, regarde un peu ce qui se passe, si tu aimes mon énergie, si tu aimes les gens qui sont là-dedans, je suis sûre que tu vas aimer. Mais bon, fais ça, déjà première chose, et si tu, parce que je stream ici le live aussi dans le groupe, donc si tu es déjà dans ce groupe, à ce moment-là, écoute bien ce que j'ai à dire ici, parce que quel est le meilleur moment pour te lancer? Réfléchis à ça. Ce meilleur moment pour te lancer, c'était hier. Et le meilleur moment de te lancer, c'est maintenant. Pourquoi aussi maintenant? Parce que tellement de gens, tellement de gens, de femmes, sont dans une situation compliquée qu'elles ne savent pas gérer. Là où toi, tu étais il y a quelques années. Je parlais hier avec une amie qui m'est vraiment chère et j'avais évité un peu de lui parler parce que c'était que négatif, que se plaindre, que dire « oh là 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 ». Hier, j'ai écouté ça, je me dis, oh, elle est là où j'étais moi, il y a 17 ans. Et je me suis reconnectée à cette femme que j'étais il y a 17 ans. Et à quoi ressemblait ma vie? C'était, waouh, c'était difficile, difficile. J'étais dans le brouillard, j'étais dans la souffrance. Je devais sortir d'une situation. J'avais aucune espèce d'idée comment m'en sortir. Je voyais que de la souffrance, je voyais que de la difficulté, je voyais que vraiment un champ de bataille devant moi. Et pour moi, quelqu'un qui n'aime pas la bataille, je voyais que des ronces. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit, écoute, Rune, tu vas y aller, mais c'est un champ de ronces que tu traverses. Et je l'ai traversé. Dieu merci. Dieu merci à cette goutte Rune, il y a 17 ans. Et donc, j'ai parlé avec cette femme, cette amie, et je me suis rendu compte, oui, elle est là maintenant. Et alors, on a reparlé, j'ai reparlé avec, bon, je l'ai. Je lui avais pas parlé juste pendant, je sais pas, une, deux semaines. Hein. Je ne l'ai pas laissé tomber. Mais je me suis rendu compte où j'étais il y a 17 ans. C'est un monde absolument différent. Et toi, si tu réfléchis, si tu as une passion, un don, quelque chose que tu sais faire, un don n'est jamais donné, un rêve n'est jamais donné pour te faire juste rêver et souffrir de ton incapacité de réaliser ce rêve. Tu n'as jamais reçu tout ça pour être dans le doute. Tu as reçu ça pour pouvoir avancer. C'est ça qui va t'aider. J'ai fait hier une vidéo, avant-hier une vidéo sur si tu n'as pas de vision, tu vas nulle part. Donc, tu peux re-regarder cette vidéo parce que là-dedans, je fais un exercice pour te montrer ta vision si tu ne l'as pas. Ou tu peux prendre le rendez-vous avec moi, rendez-vous avec ton potentiel et là, tu vas pouvoir, je t'aide à avoir cette vision. Donc, le bon moment, c'est maintenant. Mets-toi en route maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu te mets en route? Tu dois faire le premier pas dans le noir avec confiance. C'est toujours comme ça. Tu vas avoir des signes de l'extérieur qui te montrent comme des compliments ou comme des, tout d'un coup la radio qui te contacte ou je ne sais pas moi, un journaliste qui dit « Tiens, moi ce que tu fais, ça m'intéresse » ou n'importe, tu vas avoir des signes extérieurs où l'univers t'aide, te dit « Ok, vas-y, tu peux, vas-y. » Ils sont là, quelque part, en train de dire « Vas-y. » Mais si tu ne fais pas toi ce premier pas dans le noir avec confiance et tu prends un risque, si tu ne le fais pas, tu restes là où tu es. Et quand tu restes là où tu es, tu es en train de ne pas avancer, donc la vie te quitte. La vie va toujours en avant. Et qu'est-ce qui se passe quand la vie te quitte? C'est que tu baisses en énergie, tu vas commencer à aller des vibrations de plus en plus basses, et puis tu as certainement plein d'outils. La vie, elle est tellement bienveillante, tellement gentille, tellement extraordinaire. Tu as cette force de l'intérieur qui va faire toc, 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 toc. Vas-y, réveille-toi. Et tu vas te réveiller. Et donc là, tu veux te lancer. Ouais! Tu veux te lancer. Et quand tu veux te lancer, tu le sais, c'est impossible de faire ça toute seule. Donc, d'où mon idée et ma volonté, mon intention, enfin, c'est ce que je vais faire, hein, c'est de donner ce programme « Yes, je me lance » en groupe, on va être un groupe. Avant de faire ça, je donnerai un workshop. Je donnerai un workshop où tu vas, donc celui-là est gratuit, un workshop où tu vas apprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place, où tu te trouves maintenant et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Parce que tu dois avoir ce chapeau
de businesswoman, ce chapeau de chef, de ton propre chef, et puis pour pouvoir avoir ce chapeau de coach, de professeur de danse, de tout ce que tu veux. Tu dois apprendre ça. Ça, tu as appris. Tu sais parfaitement comment tu peux aider les gens. Oui? Maintenant, tu dois apprendre comment être ton propre chef et comment être un chef d'entreprise. Et ça ne s'invente pas, ça. Pour tout, on va à l'école. Bah, c'est pour ça aussi, tu vas à l'école. Et donc, moi, je peux t'apprendre tout ce que j'ai appris jusqu'ici pour que tu puisses, toi, avoir vraiment, te mettre en route sur ce chemin et vraiment avoir le succès dont tu as besoin pour pouvoir le faire, pour pouvoir offrir tes services à tes clients. Donc, tu peux rejoindre le groupe, tu vas trouver, je vais mettre ça aujourd'hui. Je pense que ce workshop, je le donne la semaine prochaine, la semaine prochaine, mercredi, jeudi, quelque chose comme ça en soirée. Et tu peux participer à ce workshop. Et dans ce workshop, je vais t'apprendre vraiment, je vais te faire, donc t'apprendre comment, quels sont les premiers pas que dois prendre pour te lancer. Voilà. Donc voilà, ici j'ai expliqué un peu ce qui se mijote chez moi. C'est tout nouveau, hein? Ça c'est fraîchement arrivé. Cette décision, ce matin, je la communique tout de suite. Comme ça, toi, tu peux déjà te mettre dans le groupe, sentir un peu la température dans le groupe et rester au courant. Surtout quand je lance ça, quand je fais ce webinaire, tu veux, ou ce workshop, on va donner ce nom-là peut-être parce que chez moi, j'aime vraiment bien que ce soit interactif. On l'a fait la semaine dernière, on a fait un autre workshop sur les 50 idées, comment, quoi offrir en ligne. Ouais, parce qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt vers le en ligne que je vais aller, parce que tout ce que tu fais en ligne, tu peux le faire aussi en présentiel, évidemment. Donc voilà, j'espère que si tu as des questions, mets-moi ici un commentaire en dessous du post. Pour me poser toutes les questions que tu veux. En tous les cas, je t'invite de bon cœur à ce workshop. Je vais certainement encore en parler. Et pour le reste, si tu as envie de tout de suite goûter cette joie de vivre, cette joie d'être une femme, je t'invite à rejoindre mon groupe membership. Donc, comment on appelle ça? Un espace membre où tu peux prendre les cours de danse et du féminin sacré, les cercles de femmes avec moi. Ton premier cours sera gratuit et puis pour le reste, eh ben, tu peux rentrer dans le membership à n'importe quel moment du mois. Et c'est toujours pour un mois. Donc, je me réjouis beaucoup de te voir, de t'aider à t'épanouir, à fleurir. Et mets-moi un commentaire ici en dessous pour me dire si ça résonne avec toi, ce que je dis ici, si tu es dans cette volonté de te lancer, comment tu te sens par rapport à cette volonté de lancer, si ça te fait peur, qu'est-ce que tu fais pour éviter cette peur, qu'est-ce que tu fais pour affronter cette peur, qu'est-ce que tu fais pour dépasser cette peur. Et une chose que je peux te dire en tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est cette longueur d'onde que tu peux avoir avec une coach et aussi cette bienveillance de la part de la personne avec qui tu vas avancer. Ça, c'est quelque chose que moi, je peux te garantir parce que j'ai ça d'une manière naturel, je ne vais même pas faire aucun effort. Ça a toujours été comme ça dans mes cours de danse. On pouvait avoir 30 personnes, 40 personnes. Jamais, jamais, jamais en 30 ans, il y a eu des frictions, il y a eu des jalousies. Tu sais, avec la danse orientale, c'est très courant ça, hein? Ils appellent ça le panier de crabe. J'ai jamais expérimenté ça. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que ça vient de moi, ça. Ça vient de ce que je l'espace que je maintiens pour mes clients, l'espace que je maintiens magique, que je maintiens pour mes groupes. C'est un don que j'ai, que je t'offre si tu rejoins ce groupe porteuse de lumière. Et tu vas être une porteuse de lumière. N'est-ce pas juste magnifique? Donc, je me réjouis. J'espère que si tu n'es pas dans le groupe, tu vas l'être. Si tu es dans le groupe déjà, j'espère que tu vas te sentir, te vivre avec cette identité-là, te promener dans ta vie en sachant qu'il y a une lumière pour tous les autres qui sont dans l'ombre, pour tous les autres qui sont actuellement dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe dans l'ombre? On ne doit pas te le raconter, tu l'as certainement traversé toi-même. Regarde en arrière. Quand est-ce que c'était ta période de vie dans l'ombre? Et reconnecte-toi à ce que tu as souffert à ce moment-là. Eh bien, il y en a plein qui vivent ça. Et c'est pour ça que je tiens, coucou Sinan, c'est pour ça que je tiens tellement, tellement, tellement aller aux femmes
qui sont conscientes de tenir cette lumière et qui, en deuxième lieu, font quelque chose. Faire quelque chose avec ça. Sortir avec ça et commencer à être au service des autres, répandre cette lumière pour toutes celles qui ont envie de ça maintenant. Ça, c'est très, très précieux à mon cœur. Et si tu es prête pour rejoindre le groupe, fais-le et tu vas donc pouvoir participer à ce workshop. Et puis, on va pouvoir ouais, t'aider à te lancer. Bisous, bonne journée, à très bientôt.